Maintenant, on passe au tout dernier prix de la soirée, mais non le moindre, donc le prix du public, qui est assorti d'un montant de 1 000 $ et présenté par TV5. Donc, avant de commencer, j'appellerai Anne Serrode, directrice principale stratégie et marque chez TV5. Merci, bonsoir à tous et merci au RIM de faire de TV5 un partenaire depuis 2004 déjà. Alors, il fait vraiment plaisir d'être parmi vous pour présenter le prix du public TV5. Donc, comment ça se passe? Au cours des derniers jours, le public, des centaines de personnes qui ont voté pour leur film préféré et que ces personnes aient voté pour l'œuvre qui les a le plus touchées ou celle qui les a fait réfléchir ou même déstabiliser, il y a une chose qui est certaine. Le documentaire qui va remporter ce prix ce soir aura marqué les gens. Et on pense évidemment que c'est une des plus belles récompenses qu'une réalisatrice ou un réalisateur peut avoir, parce qu'évidemment, quand on fait des documentaires, c'est parce qu'on a une histoire à raconter et on espère qu'elle touchera le plus grand nombre de gens. Donc à TV5, on travaille aussi chaque jour dans le but de toucher nous aussi notre public avec du contenu pertinent, de qualité, qui va émouvoir, toucher, interpeller ou même peut-être apprendre quelque chose aux gens. Voir autrement, c'est notre mission et évidemment le documentaire pour nous est un allié naturel et important pour y arriver, que ce soit pour revisiter l'histoire ou découvrir des coins reculés de la planète ou encore décortiquer un sujet de société. Il faut le dire, même si on est un média grand public, on diffuse chaque semaine 5 à 10 documentaires sur TV5. Donc c'est pourquoi on est tellement fiers de nous associer aux rencontres internationales documentaires de Montréal, avec qui notre association est toute naturelle et très agréable, je dois dire. Donc voilà, au nom de TV5, je suis très heureuse de pouvoir donner ce prix du public. Merci. Le prix est décerné au documentaire favori des festivaliers parmi tous les films de la compétition officielle et de Panorama. Alors, sans plus tarder, le gagnant, en fait la gagnante, est Amandine Guy pour ouvrir la voie. Donc voilà, je suis très contente. C'est une autre preuve que ce film a trouvé son public.